il y a un petit peu, à l'instar du patinage artistique, la réputation des concurrentes joue énormément et les juges ont tendance à être un petit peu moins... Valérie Avatkina ici, moins dur pour les ténors qu'il ne le serait pour une gymnaste dont ils n'ont pas encore entendu parler. Ainsi va la vie des hommes, ainsi va la vie de la gymnastique rythmique. Valeria Avatkina pour la Biélorussie. Avec à l'arrière-plan ces fameux juges. Enchaînement à la corde, Valeria, digne de l'école bélarusse d'ailleurs. Tour illusion enchaînée pour le final. Il est possible, Nadine, que la corde soit l'exercice le plus physique de la gymnastique rythmique. Oui, et puis au niveau difficulté technique de l'engin, c'est quand même un des plus simples également. C'est un petit peu contradictoire, mais la corde est un engin qui se manipule aisément avec les enfants notamment. Parce qu'il y a les sautiers, il y a les rotations. On pourrait dire la corde et le cerceau sont peut-être les engins qui sont les plus faciles à appréhender dès le plus jeune âge. Voilà, au niveau des bébés gym notamment, puisqu'en France, nous avons des clubs avec des bébés gym à partir de l'âge de 3 à 4.